caravane que Roger Clancy Gobindram, ainsi connu le grand chanteur, est accueilli, normal, tout à fait normal pour celui qui nous a fait danser au rythme de son Sega, au rythme justement endiablé avec son humour bien à lui. Je vous rappelle que Roger Clancy s'est éteint à l'âge de 75 ans, c'était le 13 janvier 2016, excusez-moi, du côté de l'île de la Réunion. Nous sommes du côté de Beaubassin, l'église Sacré-Cœur, où déjà une petite foule s'est massée bien avant l'arrivée de la dépouille de Roger Clancy. De nombreux admirateurs, sympathisants, inconnus, et je vous rappelle que toute la communauté artiste est aussi présente pour accueillir. Je vous rappelle, nous sommes en direct pour les funérailles de Roger Clancy. C'est du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne la plénitude, la paix de la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis cet après-midi, c'est pour en louer de la perfection, ta partie, amitié. Pour le célébrer, ce sera le Père Eddy Gustapen, curé de la paroisse. Also, who has left us on the 13th January 2016. Amazing Grace pour accueillir ce grand chanteur, cet acteur, l'humain, le chanteur. Amazing Grace pour déclamer, pour crier, pour honorer toute la grandeur de cet homme et aussi pour célébrer l'intimité de cet homme avec Jésus, avec Dieu qu'il a accueilli auprès de lui. En ce moment, la dépouille fait son entrée à l'église où pas mal de gens se sont déjà amassés. Les grands titres de Roger Clancy, je vous rappelle, les noms moins Sega qui ont fait le bonheur de toute l'île Maurice et du monde entier. Rosa, Mamalo, Olé Olé, Balranzarico. Merci encore une fois si vous nous regardez, si vous nous écoutez sur YouTube actuellement, à nos amis expatriés qui justement voudront donner un dernier hommage à ce grand chanteur, à ce grand compositeur aussi. Roger Clancy Gobindram, je vous rappelle, fut aussi policier auparavant. Thank you.
juste aussi pour vous partager la vue de l'église. Je vous rappelle, nous avons deux écrans géants qui diffusent, qui justement mettent en relief le portrait de Roger Clancy. 11 juillet 1941, 13 janvier 2016, Roger Clancy. À l'image, l'épouse de Roger Clancy. Je vous rappelle aussi que Roger Clancy était un habitant de Pointe-aux-Sables, père de quatre enfants. Et je vous rappelle qu'il y a aussi une grande mobilisation de la communauté des artistes qui composent la commune, justement, en honneur de leur frère Roger Clancy. Aussi, petite histoire, donc je vous rappelle que Roger Clancy s'est produit pour la dernière fois dans le grand public, c'était à l'occasion du Festival Créole. Il était à Candos et puis il était aussi donc du côté de Cité Vallégie pour le All Night Concert, donc voilà, à l'occasion du Festival Créole édition 2015. God, mot la lampe allumée, symbolique justement de cet homme, comme tout temple a fait son pèlerinage, qui a demandé la protection de Dieu. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Yeah.
Of Dan Babu, Honorable Dan Babu, Minister of Arts and Culture of Mauritius. Je repasse, c'est donc extrait donc voilà du livre d'Isaïe qui était lu justement par les enfants de Roger Clancy.
Ni à toi-même, Vladimir, tiré donc du psaume 26. Bien sûr, nous allons tout de suite prendre l'acclamation de parole dans Nulabus. Saint Jean. À l'heure que Jésus passe de ce monde à ce papa, il dit à ce mal disciple, pas besoin de nous verser, je crois dans mon Dieu, crois aussi dans moi. Dans la case, mon papa, tout le monde est capable de trouver une place. Sinon, est-ce qu'il motive les autres, vous pouvez préparer une place pour eux? Quand vous pouvez préparer cette place-là, vous pourrez venir. Et vous vous prenez avec moi. Et là que vous êtes, là aussi je vous mettez. Quoi là-bas que vous pouvez aller, je te colle le chemin. Tu m'as dit, Seigneur, nous ne même connaître que tu peux aller. Comment nous capables comme ça si là? Jésus répondit, moi-même le chemin, la vérité et la vie. Et personne pas capable à côté mon papa. Sans qu'il passe par moi. Voilà la parole aux enfants pour ce témoignage dans quelques instants. On a les fils de Roger et Clancy. Cet homme qui est parmi vous aujourd'hui, c'était un grand, qui a beaucoup œuvré pour 100 000, qui a beaucoup partagé toute son amour. Pour son peuple, pour ses amis, pour sa famille, pour ses enfants. Il aimait tout ce qu'il faisait. C'était un bon vivant. Il aimait faire la fête, mais en même temps, il savait qu'il était un père, il avait ses 4 enfants. Il ne nous a jamais laissés. Ce sera sans la maillotte. Si nous faisons rencontre au Génazi, il y a tellement de choses à améliorer dans nos vies. Moi, ce qui me sert autant aujourd'hui, c'est pas raconter l'histoire de Roger Génazi ou quoi, si nous l'âme tout ce qui nous est connu au moins, elle porte l'histoire de Roger Génazi. Ce qui me sert à souhaiter, c'est qu'il y ait tout qu'il a aujourd'hui, ne pas oublier ce que Roger est fait. Cette contribution énorme. Dans la musique, la culture, l'histoire culturelle de Maurice. Et aussi, cette contribution, ne pas oublier, au tout début, quand le premier grand hôtel, le premier grand hôtel qu'ils ont dit, 25 étoiles, qui commence à se planter dans Maurice,
Et bien, ben, l'animation qui s'est faite dans ce moment était la soirée de Sega grandiose. C'était Roger Clancy et Marie-Josée, bien sûr. Et ça, il ne fallait pas l'oublier. Si je me demande tout qu'il a aujourd'hui, y compris une bande distinguée des invités, bande d'un grand acteur de ce pays, des dirigeants, des politiciens et toute la communauté des artistes, c'est qu'il ne pas oublier la mémoire de Roger Clancy. Il ne pas laisser sous la musique, sous l'histoire et ce nom tel qu'il laisse avec nous à jamais. Merci. C'est donc Sandra Mahler qui a exhorté, qui a encouragé les dirigeants à ne pas oublier Roger Clancy, qui a contribué justement dans les premières années des animations à l'hôtel. Ce qui marquait chez Roger, c'est que lorsque l'on regardait, c'est son éternel sourire, sa joie de vivre, ses yeux qui nous éclairaient. Roger, c'était plus qu'un ami, c'était un frère, presque un père. Il était toujours d'une humeur joyeuse, constante. C'est un homme merveilleux. Pas grand chose à rajouter parce que c'est un bel homme. Une grande classe, un très grand musicien qui a amené la culture mauricienne au plus haut, au firmament de ce qu'elle pouvait être. Merci Roger, merci de tout ce que tu as fait dans ta vie. Merci à toute ta famille, une merveilleuse famille que tu as tenue à bout de bras. Et puis à très bientôt. Merci. C'était donc les différentes facettes de Roger Clancy qui étaient justement honorées aujourd'hui. Et donc voilà, Roger Clancy père a aussi été célébré pour justement ce père, ce chef de tribu qui tout temps a été là pour ses enfants. De Dieu, quoi de mieux de dire merci pour ceux que nous avons côtoyés pendant toute une vie et qui, justement, nous allons déposer, nous allons nous séparer dans quelques instants. Réalisez-vous la grandeur de cet homme qui devant nous a sauté. M'envisez-vous avec la permission de Marie-Josée, qui a plus de 30 ans, 40 ans de guerre, parce qu'il semblerait. Et le petit voisin, l'église, dit le côté du rail. Et mon paroissien, le dit qu'il a aussi, toujours rappelant, l'ambiance qui tient le côté du rail. Au mieux de frapper l'encore quand Roger, toujours habillé de blanc, d'un dimanche matin, et à voir des lances parquées, et à voir milkshake pour le col. Ça, c'est pour un sac autrefois. Aujourd'hui, voilà. De votre groupe, après toutes ces années, non pas pour simplement se rappeler ça, mais le temps est passé. Le boulot très important est le médecin dans le temps. Il y a 30 ans, 40 ans, cette même église puisse le faire en français ou sinon en latin. Et vous croire, vous m'avez manqué. C'est grâce à un artiste comme à Roger. Et bien d'autres, aujourd'hui, nous avons l'église de Cause Créole à son métier. C'est une avancée, c'est un progrès,
vous dire mieux que ça, c'est même enseigné à l'école. Donc, à l'heure, à l'époque, quand le SIDA a été reconnu, même considéré comme un ami vulgaire, malsain, parce qu'à part ça dans la société, et bien aujourd'hui, nous fiers, c'est grâce à ma garçon, à ma maison, à ma Roger, bien sûr, aussi pour ma route, ici présente, à ma richesse. Oui, la contribution de notre frère Roger, il est plus à la scène nationale, mais plus là aussi qu'à la scène internationale. Et rappelle-nous que cette expression culturelle, une bonne expression qui a de mieux dans l'âme mauricienne. Vous avez une bonne santé, vous avez une bonne danse, oui, parfois dans une parole un petit peu ambiguë, mais vous marquez, parce que c'est ça qui fait la beauté de la culture mauricienne. Mais peu profondément, quand le médecin, ça veut dire aussi, le monde a changé, le monde n'est plus le même. Eh bien, à ce moment-ci, nous retrouvons une autre image en cours, qui veut dire que le SIDA n'est pas simplement la musique qui est réservée à un petit groupe, à certaines personnes, mais c'est devenu l'expression même d'un peuple. Aujourd'hui, plein d'endroits, plein d'un milieu, plein d'un jour, plein d'un l'air, quand on descend de la place, quand on parle d'un fait, quand on parle d'un SIDA, l'ambiance est là. Le SIDA, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de toutes les cultures. Mais comment il va aussi l'expression de notre foi? Quand le Ménarès, aujourd'hui, tout à l'heure, il fait l'expérience, aussitôt qu'il met un chant de rôle plus du bon participatif, parce qu'il s'habille du cœur. Mais plus loin que ça, il est par le moitié, il vient comme ça, il y a plus besoin de vous le merci. Ça ne veut pas dire qu'il peut démarrer, il est triste quand quelqu'un dit que nous, à plus de raison, va nous faire oser dit que nous, il est triste parce qu'il y a ça. Il y a toute une histoire, il y a toute une vie qui est allée. Mais en même temps, on dit, j'aime tout ça, il n'y a pas de triste, parce que ce passage parmi nous, il enrichit nous. Ce passage parmi nous, il fait découvrir la valeur, la grandeur de ce qu'il nous dit, et de ne pas avoir honte de l'expliquer. Plus profondément, cette même parole, j'aime nous, le bonheur qu'il nous exprimait à Zordi de la guerre, c'est encore, allons dire, un petit bout de la joie qu'elle a dans les cieux. C'est-à-dire de entrevoir ce qui provient vers l'âme là-haut. Non, entrevoir, c'est pas triste. Le triste, c'est la séparation. Le triste, c'est le départ. Le côté triste, c'est de savoir celui qu'on voit aujourd'hui, on va retourner dans le disier, mais nous présente le ventre. Mais aujourd'hui, le frère Roger, nous auprès de tous ces grands artistes qui quittent nous, de ce nombre d'artistes qui ont quitté des gens de l'année, de ceux qui nous ont quittés, et bien au bout de la fin, il y a des gens. Le présent, le SIDA est présent au ciel. Dans ces moments difficiles qu'il peut vivre, nous montons avec nous, nous dire, on dit à nous, vous pouvez préparer une place pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-à-nous que chacun d'entre nous, la communauté, bon Dieu, par contre, un jugement. Bon Dieu, pas juge-nous, mais lui, sauve-nous. Il connaît ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous, et il connaît ce qu'il y a de meilleur en notre frère Roger. Comment chacun d'entre nous qui fait grandir, nous connaît sa mentalité, nous connaît sa générosité, nous connaît son professionnalisme, nous connaît son amour du pays, nous connaît tout ce qu'il veut faire, et bien, c'est ça que bon Dieu trouvait là-bas. Alors, si nous plaît de Dieu aujourd'hui, dans la joie, dans l'amour du Père, dans l'éternité, à nous demander au Jésus-même, aide-nous, perpétuer ce qu'il nous enseigne pendant toutes ces longues années. Aide-nous à perpétuer à travers nos jeunes, à travers nos pitiés, que j'ai découvert derrière le professeur. Demande le Seigneur aujourd'hui aussi, dans ces moments difficiles, et bien donne la force à Marie-Josée, et donne la force bien sûr à ses enfants. Oui, l'amour, comme on le dit, il plonge nous dans la tristesse. Mais en même temps, nous connaît ce qui est nous là. Il est loin dans le disier, mais il est au plus près, et il a au plus profond du cœur. Le disier dit, l'amour c'est par nous. Non, on voit l'amour, le vivant de quelqu'un, rapproche-nous de celui qu'on aime, qu'on a toujours aimé.
Eh bien, que ce soit pour nous aujourd'hui l'occasion de dire merci à Roger, de dire merci à celui qui peut nous contribuer aujourd'hui, peut-être nous parler des plus jeunes à lui, de nos générations, une belle à sa langue. Et aujourd'hui, de dire merci Seigneur pour le cadeau que tu donnes nous à travers Roger, notre frère. Encore une fois, le curé de la paroisse a fait état justement des grands antistes qui nous a quittés parmi, encore une fois, Roger Clancy. Et il a aussi cité ces gars dans les siens. Il a aussi souligné la présence du créole dans les églises. Donc le Sega, c'est aussi l'affaire de tout. Et encore une fois, donc Alcôte Bondier, c'est Patrice, et quelques sont les grands nids justement du curé de la paroisse. Une bonne parole faux, qui invite nous à une grande espérance. Lui-même maintenant, les trois personnes qui nous préparent à la prière, qui nous tournent ensemble vers un même élan, nous prier pour qu'ils s'appuient là, nous montrent que bon Dieu ne va pas, pour Roger et sa famille. Nous allons donc maintenant entamer la prière universelle. Encore une fois, donc, à l'unisson avec Roger Clancy, pour toute l'île Maurice, et aussi, donc, voilà, pour tous ceux et celles que nous avons perdus. Thank you.
nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Roger. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Réveillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Roger, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. En Dieu, il n'y a point de séparation, et avec Roger, ce n'est pas la mort du Sega, c'est le renouveau du Sega. Encore une fois, nous gardons en mémoire cet homme toujours élégant, vous, Père, qui nous a quittés. Nous te confions maintenant, Roger, pour venir au soleil de ta maison. Vous allez reprendre après moi, rends avec toi, Seigneur, Roger, que nous aimons. Quand la nuit de la mort nous retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans éclair. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons qu'à ta grâce, tu accueilles et pardonnes. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les œufs du baptême lui ont donné ta vie? Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Roger, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Roger n'était pas tout seul sur la scène, il était toujours accompagné de sa femme, Marie-Josée Clancy, que nous avons aperçu au passage, le duo, la reine du Sega et son roi, qui, je vous rappelle, la dernière fois était présent sur la scène du stade de Candos. C'était en novembre pour le festival créole. Avec Roger, c'est tout un pan de l'histoire du Sega de l'île Maurice, des animations à l'hôtel qui nous quitte. C'est encore passé au son de la Ravane que nous allons encenser la dépouille de Roger Clancy. La Ravane qui est symbole d'animation, de vie aussi au temps des esclaves. Et c'est aussi au rite de la Ravane que Roger est accueilli au ciel parmi la grande constellation des artistes qui nous a quittés ces derniers temps. Roger aussi à sa place parmi. Musiciens, chanteurs, pour la chorale, les amis, les compagnons d'animation de Roger Clancy. Roger Clancy, je vous rappelle, a commencé sa carrière très tôt, au cours de sa jeunesse, et il le termine de fort belle manière. The show must go on. L'artiste vivra oui, toujours. Oui, nous espérons, nous croyons tous que Roger ressuscitera. C'est en signe de notre foi que nous allons bénir son corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
plus beau de célébrer la mort pour la vie. Qu'a-t-il de plus beau, justement, de partir au sud de la Ravanne. Je rappelle que Roger Clancy était admirateur de Harry Belafonte. Amen, Segala, loin bring Sega to its best, comme l'a dit Marie-Josée Clancy, qui a partagé la scène avec son mari, l'un des rares couples à Maurice, justement, à pratiquer le Sega, mari et femme. C'est avec aussi beaucoup, nous ressentons aussi beaucoup d'émotions dans l'assistance actuellement. Seigneur, nous devons toi être avec amour, que ta famille était dans la tristesse, que les amis, les proches, tristes dans nos vies. Nous devons toi accueillir de la prière pour nous faire Roger. Nous voyons d'un Dieu plein de miséricorde, de finir par le lit de ce mal faute, de finir avec toi à l'amour, pour qu'il lui tout pour le salut. Et passe de la mort à la vie. Non pas permettre de faire Roger de séparer de toi, mais parce qu'il te l'amour, mais qu'il faut que l'amour, faire une vie avec toi, dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble, l'Église, nous devons aller en prier. Nous demandons Seigneur à accueillir et nous faire Roger. Oui, maintenant, nous pouvons demander tout. Nous demandons Seigneur et nous remplacer la paix de Dieu. Allez, allez, on va faire mon Seigneur. Allez dans la paix de Christ. On veut dire en nom personnel de la communauté, mais aussi de toute la paroisse, tous les Maurices, de profonde sympathie. Au nom de Jésus. Ses enfants et tous ses proches.
Anoualé, Mamalou, semble nous dire Roger Clancy, ce dernier regard. Le grand-frère de Roger Clancy, je vous rappelle, nous a quitté le 13 janvier 2016. Et c'est au son de Ravane qu'il va nous dire un dernier adieu, un dernier au revoir. Le Sega vivra. Et Roger Clancy sera de tout temps avec nous, dans nos maisons. Sa voix résonnera toujours parmi nous. Rosa. Thank you.
Ah, ouais. Ça va, c'est bien, on est 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 bien